Привет всем! Как дела? Сегодня я буду сделать видео, потому что я не был здесь эта неделя. Поэтому я хочу сделать это видео. Я использую телефон, потому что мой компьютер не очень хорошо. Я не знаю почему, но это так. Но сейчас я не буду говорить по-русски. Сегодня я буду говорить по-французски, потому что я знаю, что много людей знает, что я живу во Франции, но я никогда не говорил по-французски. Сегодня вы можете мне слушать. Et d'accord, du coup aujourd'hui je vais parler en français. Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, j'utilise le téléphone parce que l'ordinateur ne marche pas très bien. Et je ne sais pas pourquoi, mais le micro il marche, mais c'est très bas et du coup il faut utiliser le téléphone. Et mon téléphone n'est pas super non plus, mais bon. Ok, du coup voilà, bienvenue tous sur ma chaîne. Sur cette chaîne je vais parler n'importe quoi. Parfois j'ai envie de parler seulement et voilà, et du coup, comme cette semaine j'ai pas fait de vidéo, je me suis dit bon, je vais essayer un peu. Et voilà, du coup, si vous me connaissiez pas, si vous aviez pas vu ma tête avant, voilà, c'est moi. Coucou, c'est moi. Voilà, je vais raconter un peu ce que je fais aujourd'hui. Maintenant, ce sont les vacances et j'ai pas beaucoup de travail. Normalement, je suis dans des cours d'espagnol, mais pendant les vacances, normalement, j'ai pas de cours. Du coup, j'ai beaucoup de temps libre et j'en profite pour réviser un peu mon chinois et mon russe. Et par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? J'ai étudié à peu près du 100 mots en chinois. Après, je pense que j'ai étudié 80 mots en russe. Et j'ai lu un peu. Je vais dire un peu comment ça s'appelle. Bon, oui, en russe, j'ai commencé à lire des contes, voilà, des petites histoires pour les enfants. Ça s'appelle Krasnaya Devochka, Krasnaya Chapochka. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français en fait, oui, j'ai oublié, mais bon, c'est une histoire pour les enfants. Du coup, je vais vous montrer un peu ce que je fais. Je connais pas trop le texte encore parce que j'ai décidé de prendre mon temps. Je pense que c'est la meilleure façon d'apprendre une langue. Il faut prendre son temps en fait. Parce que j'ai pris des cours à l'université en arabe, en russe, en chinois. Je me suis rendu compte que quand j'essaye d'apprendre des mots, bah, tu délises le vocabulaire et des choses comme ça. Et voilà, c'est pas très efficace parce qu'on a toujours cette impression qu'on doit finir les livres, voilà, parce que ça fait partie du cursus et il faut le finir. Mais en fait, parfois on se rend pas compte, mais ça nous fait en fait que la connaissance ne soit pas très bien acquise. Voilà, du coup, et je vais lire un peu, c'est en russe. Peut-être il y aura des sous-titres en bas, peut-être pas, je sais pas. Ça dépend de mon niveau d'énergie à ce moment-là. Du coup, ça s'appelle Krasnaya Chapochka. Жила была в одной деревне маленькая девочка, такая хорошенькая, что лучше ее и на свете не было. Мать любила ее без памяти, а бабушка еще больше. К дню рождения подарила ей бабушка красную шапочку. С тех пор девушка всюду ходила в своей новой нарядной красной шапочке. Соседи так про нее и говорили: вот красная шапочка идет. Как-то раз испекла мама пироги и сказала дочке: «Сходи-ка ты, красная шапочка, к бабушке, снеси ей этот пирог и горшочек масла до ужина». А здорова ли она? Собралась красная шапочка и пошла к бабушке в другую деревню. Идет она лесом, а навстречу ей серый волк. Очень захотелось ему съесть красную шапочку. Да, только он не посмел. Где-то близко стучали топорами дровосеки. Облизнулся волк и спрашивает девочку:
куда ты идешь, красная шапочка? А красная шапочка еще не знала, как это опасно. А останавливаться в лесу и разговаривать с волками. Pardon, j'ai reçu une notification là d'Instagram, c'est pas important. En fait, j'ai eu la magnifique idée de faire un commentaire sur le compte Instagram de Netflix et j'ai demandé aux gens de renouveler de faire la quatrième saison des Anne avec un E, un Wesani, seulement pour faire un peu le troll là. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui sont d'accord là. Et je pense qu'il y a à peu près 700. Cœur, je ne sais pas comment on dit, like, je ne sais pas, c'est pas des likes sur Instagram, je ne sais pas, voilà, une autre personne. Et voilà, du coup, c'est ça ce que je suis en train de lire en russe pour le moment, c'est pas beaucoup, et comme vous voyez, au fur et à mesure que j'avance, et la lecture devient un petit peu plus moche. Pourquoi? Parce que je connais moins les textes, mais j'essaye de me concentrer sur chaque mot. Et petit à petit, je commence à... Comment dire ? Je commence à être plus familiarisé avec le vocabulaire, en fait. Du coup, c'est ça ce que je fais pour le moment. En chinois, aujourd'hui, j'ai pas lu le texte, mais j'ai appris un nouveau mot d'une chanson. Et plus tard, je vais lire un peu et mon bouquin. Voilà, je connais pas tous les caractères, mais j'essaie un peu. Là où你有听到老人的... 西和火 je ne sais pas, je tuo ban ban di tai qi la tou la zhe li wan 对, la zhe li wang qian zou qu 我看到老人的 我不知道 杯和牛背一样 28黑两个禁欲 睡18的生命 将内块骨板的红绿 28的28 翻动28如水 面试 Et voilà, du coup, c'est ce que j'ai fait un peu. Pourquoi ? Parce que je suis ennuyé. Quand je vous dis, j'ai beaucoup de temps libre, voilà ce que je fais. Oui, je devrais continuer à faire des vidéos pour apprendre l'espagnol un peu. Et pour enseigner l'espagnol plutôt. Mais je ne sais pas, cette semaine j'ai eu un peu la flemme. Et voilà, du coup, cette semaine j'ai pris des vacances. mais je pense que je vais faire une autre vidéo et cette semaine. Peut-être je ferai seulement une vidéo par semaine parce que c'est très très difficile à faire des vidéos et avec l'ordinateur ça prend beaucoup de temps et en plus comme j'ai pas de caméra, j'ai pas de micro, il faut faire beaucoup de choses pour avoir seulement une vidéo de maximum 10 minutes. Après il faut montrer aux gens parce qu'il y a pas beaucoup de gens qui regardent pour le moment et voilà du coup je vais être plus tranquille petit à petit. Je vais surtout me concentrer sur le contenu plutôt que l'édition. On va voir. Et peut-être un jour, je trouverai quelqu'un qui va m'aider à faire les modifications, les manipulations qu'il faut faire pour que ma... Comment est-ce que ça s'appelle ? Oui, pour que la vidéo soit éditée de la façon correcte. Ah oui, du coup aussi, comme j'ai beaucoup de temps libre... J'ai essayé de traduire en chanson, mais c'est difficile en fait, parce que ça prend du temps. Et en plus, il faut respecter au moins trois choses. Et le premier, c'est il faut que tous les mots soient, le numéro de syllabe soit le même que dans la chanson originelle. Après, il faut que, s'il y a des rimes, il faut qu'il y ait des rimes similaires aussi dans la traduction. Et en plus, il faut garder le sens. Du coup, il faut trouver l'équilibre entre les trois. Parce que, par exemple ici, la chanson, je connais un peu. Je vois que
特别爱闹，这要做，这要做，心灵感召，不信你问李清照。Et du coup, c'est ça la chanson. Mais, bon, voilà, j'ai la traduit en espagnol, il dit en plena contemplación, el fruto, el llanto inició. Causar alboroto nunca es mi intención. Todo es producto de la emoción. Los poetas me dan razón. Et moi, je suis pas très content avec ma traduction pour le moment parce que, franchement, je pense que c'est un peu moche, le dernier. Los poetas me dan razón. Mais c'est seulement que c'est un peu difficile de traduire parce qu'il y a une référence à un poète, une poétesse chinoise. Et je ne sais pas comment traduire ça parce que c'est un peu moche aussi de mettre le nom d'une poète, de quelqu'un étranger qu'on ne connaît pas. Et en espagnol, en plus, ça n'a pas beaucoup de sens. Ça ne va pas dire grand-chose. Du coup, j'ai essayé de dire, voilà, elle est une poète. Eh ben, c'est quelqu'un qui écrit la poésie. Du coup, je peux dire poeta, voilà. Mais c'est quand même un peu moche comme phrase. Et en plus, bah, ce n'est pas très nécessaire de dire que c'est un kiwi. Ça peut être une pomme, une poire, je ne sais pas, n'importe quel fruit. Et du coup, je dis seulement un fruit, voilà. Mais... Oh. C'est coupé déjà. Ah, désolé, on a eu un peu de problèmes techniques, voilà. Et j'ai pas envie de tout refaire, du coup, je peux mettre peut-être une photo de. Peut-être je vais mettre une photo d'un chat ou quelque chose comme ça, je sais pas. Ah oui, du coup, par exemple, la première phrase, il dit je regarde un kiwi. Non, en regardant un kiwi, les larmes soudain explosent ou s'allument. Il faudrait trouver peut-être une autre option parce que là je suis pas très content avec ce que j'ai écrit, mais bon, peut-être je vais trouver quelque chose. Et voilà, du coup, c'est tout ce que j'ai dit. Je ne sais pas si c'est très clair. Je suis pas trop habitué à parler devant une caméra et j'ai l'impression que ma voix devient plus douce au fur et à mesure que je parle. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre sur le commentaire. Vous pouvez, je sais pas, vous pouvez envoyer un message, peu importe. Voilà, c'est tout. Ou au revoir. Au revoir. Au revoir.